Bonjour à tous, c'est Baby Yo-Yo. Donc c'est les infos de la semaine du lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier. Le lundi 6 janvier à Pyrgos, une personne a essayé de se suicider à la banque. Voici les vidéos qui suivent. Tiens, vas-y Jérémy, si tu veux parle. Parle devant la caméra. T'es bien là où t'es. Monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui devant les lieux du possible drame. Un homme tente de se suicider. Nous récoltons les informations auprès des témoins. Monsieur, bonjour. Monsieur est trop ému par ce qui se passe. Oui. Et ne répondra donc pas. Je me souviens plus de mon mot de passe. Moi je devrais peut-être appeler un négociateur ou je sais pas quoi, il va sauter. Hein. Bon, ah, il va sauter. Hein. Je suis en bas avec la mallette posée par terre, donc je vais. Merci à tous les civils de reculer d'un pas. À peu près au niveau du camion, s'il vous plaît. Vas-y, rafle sur son. Je suis pas un civil, je suis un caméraman. Oui, ben, vous avez une caméra, donc vous avez un zoom dessus, donc c'est bon. Monsieur, vous voyez, regardez. Hein. Attends, vite. Jérémy, mets-toi en position au niveau du mec suicidaire et tu fais un discours. Vas-y. Regardez la valise. Un discours. Mais attends, tourne-toi. Mais on a... il a sauté. Non, il a sauté. Il a sauté, personne ne s'approche. Personne ne s'approche. Tout le monde recule. Il a sauté le mec. Putain, on a raté ça quoi. Ah la même, j'étais en train de vous regarder quand vous avez. Quand il a sauté. Non, je peux pas nous dire ça en. Le mardi 7 janvier à 19h, il y a un braquage de banque qui a eu lieu. Un policier a aussi arrêté deux personnes. Voici les vidéos qui suivent. Bonjour à tous, c'est Baby Yo-Yo, le journaliste, sur A3 Life TV. Alors là, bon, j'ai pas... J'ai pas le skin là pour les vêtements. Mais ça tire pas mal ici. Je suis à la banque. Nous allons essayer de savoir ce qui se passe. Si j'arrive à trouver un pistolet. Un policier, excusez-moi. Ouais, ben bougez-vous là parce que j'ai pris des balles. Il en a pris des balles. Histoire, attends devant la banque. Attends à la banque. Bon, il y a une chose qui va défendre. On entend tout ce qu'ils disent, bien sûr. Je vous reprends dès que j'en saurai plus. Le mets là, regarde dessus. Il y en a qui a été tué. Une vraie fusillade à la banque. Nous sommes aujourd'hui mardi 7 janvier à 19h. J'ai arrondi. C'est bon, c'est fini. Il a battu les deux. Il y en a un en moins et. C'est bon. J'espère que c'était que deux. Nous allons voir. Nous allons essayer de parler aux policiers. Ne me plombe pas, t'es fou toi quoi. Ouais, non, j'étais sur la banque pour regarder parce que j'étais en train de vérifier parce qu'il y avait deux délits de suite. Et je regardais qu'ils étaient pas en train de braquer la banque parce que ils étaient louches un peu, ils avaient des sacs et tout ça. Et la police qui arrive. Et en fait, c'est d'autres personnes qui sont venues la braquer donc. Bon, je suis déjà sur les lieux. Monsieur, veuillez jeter votre sac à terre, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, je suis journaliste. D'accord, bah, présentez-moi vos papiers de journalisme, alors, monsieur. Tenez, monsieur. Ça va, ça, journaliste, hein, je confirme.
D'accord. Mon adjudant de la toux. Donc vous avez réussi à gérer la chose tout seul, monsieur? Ouais, affirmatif, monsieur. Affirmatif. Qui est-ce que c'était, s'il vous plaît? Ils ont même pas eu le temps de braquer la banque, je les ai déjà interceptés. Ok. Mon adjudant de la toux. Ouh, ça tire encore. C'est l'arme que un des malfrats avait. C'est suspect. À vous, fouillez la banque. La banque a été fouillée déjà. Il reste plus d'armes. Ok, donc la banque a été fouillée. Babi, reste dans le coin, je vais trop filer ta tenue là. Reste dans le coin, attends un peu. Ok. Bon, on va me refiler ma tenue. Sébastien, viens avec moi. Sans moi, je serai tranquille de ce côté-là. On va le coin. Voilà. Non. Donc je vous reprends dès que j'aurai plus. La système. Que essayez-vous de faire, monsieur? Il y a d'autres suspects? Peut-être, ouais. On a entendu des tirs encore. Ok. Je surveille tes 6 heures, Fabrock. Qui est là? Donc famille, tu viens, je suis tout seul. Bah, attends, tu peux aller avec Maxol, va avec Maxol. Ah merde, le GGN, putain, j'ai vous plomber les gars. Donc il y aurait peut-être une autre personne. Pardon ? Suspecte. Je vais essayer avec c'est mon Phoenix, il a un fusil à pompe. Pas dans la maison le mec là ? Trayette. Bah on est avec vous là, on a rejoint Simon. Va voir la maison, je sais pas pourquoi il me semble que j'ai vu bouger là-dedans. Au premier étage à gauche. Ok, bah moi je les suis, tu sais quoi, comme négatif, voilà. Bah merde. C'est quoi ce quad là? Il est où Babi là? Ah il est là. Attends encore un peu. Hein. Bon, attendez, je fais un petit FK, je prends Babi, je vais lui ordonner sa tenue. Donc voilà. Tout le monde a été arrêté. Apparemment ils étaient que deux. Tout le monde va bien. Grâce à CPC1 Lob qui a réussi à les intercepter à temps. Et à la suite des arrivées. Voilà. C'était Baby Yo-Yo pour A3 Lift. Ah mais attends, il faut que je fasse des tests. Pour le mercredi 8 janvier, un drame s'est produit à Pyrgos. Le pont au nord de la ville a été détruit. Voici la vidéo. Mesdames, messieurs, bonjour à tous, bienvenue sur A3Lev TV. Nous sommes actuellement à la sortie nord de Pyrgos, où le pont juste derrière moi s'est effondré. Nous comptons une victime et plusieurs blessés. Nous ne savons pas encore la cause de cet événement, si c'était un acte terroriste ou tout simplement un accident. Pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations. À vous les studios. Le jeudi 9 janvier, une personne de la gendarmerie a été découverte à maltraiter les personnes. Voici la vidéo. De police, de la gendarmerie, ou même du... À mon avis, j'ai tué votre collègue qui continue à parler là. Bah, on n'a rien fait, monsieur, vous êtes d'accord, on n'a rien fait. Direct, vous allez me faire. Pire, c'est qu'on n'est même pas armé. Ah, vous n'êtes même pas armé. Eh, n'importe quoi. Moi, je pointe pas une arme vers vous, monsieur. En plus, mon arme elle est légale comme la vôtre, sauf que nous on n'a rien fait et vous la pointez vers nous. Ah, si les esclaves, vous en rappelez toujours. Ah, j'en ai, c'est bon, c'est bon, j'en ai, tu fermes ma gueule. On parlait des esclaves qu'il y avait dans notre entrepôt, monsieur. C'est la dernière fois que je vous entends, vous là, en face de moi. Bah, moi je vous vois pas. Je vous vois pas. Ouh, t'es où? Tu vas pas me buter, mec. Bah maintenant vous allez voir une balle dans votre tête, hein, si vous continuez. C'est quoi? Je m'en bats les couilles, je vais montrer le truc aux autres. Comme ça il sera viré. Oh bah t'as... Non mais avoue là, quand même là, il abuse. Bah... Tout est dans la tête. Ou au pire, je me fais un plaisir de vous abattre, ça va toujours ça. Oui, on t'entend, mais n'utilise pas le global par contre. Ah désolé, le restart il a commencé là. Avec mon arme? Dites-moi qu'est-ce que j'ai fait alors. Minutes. Je tiens au courant, vous inquiétez pas. Et par contre la gendarmerie, c'est pas parce que ça va restart que vous devez vous entretuer. Hein. On n'a pas fait exprès.
Excusez-nous, mon commandant. Il tue 5 personnes, il a pas fait exprès. Avec votre arme, je pense que ça va être encore. Hein? Oui ou non? Moi, on m'a dit ferme la gueule, ferme la gueule. La malice commence vraiment à me gaver en fait là. On a des rires avec nous visiblement. Hier on a bien rigolé avec lui, regarde dans ce qu'il fait. Vous pouvez parler mais pas pour rien, dire. Pourquoi vous en retenez ici en fait? C'est quoi, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Vous êtes occupé des esclaves, vous avez fait un petit délit de fuite, enfin voilà. Quel délit de fuite? Je suis resté dans le bâtiment, c'est vous qui croyez que j'étais parti super loin. Et vous, parlez pas, vous je vous bute, vous je vous bute à 3, 6, à 3, 1, 2, 3. Eh, vous en foutez, vous je vous bute, hein. Mais non, ouais, parce qu'en fait j'ai une vidéo que j'ai déjà envoyé à un pote de tout ce que vous avez raconté, mon gars. Ok, d'accord, vous savez quoi? Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Bah moi j'attends. Hein. Ah. Ripou. Ok donc. Pouvez-vous nous relâcher, s'il vous plaît? Je vous abattrai dès que avant le restart. S'il vous plaît, elle va se relancer 5 minutes après, donc ne vous inquiétez pas, on va faire une restart. On s'inquiète pas, là, il y a juste un policier qui abuse de ses pouvoirs après nous, j'ai fait une vidéo. D'abord, j'aimerais bien vous foutre une balle dans la jambe. Donc, je sais pas si je vais vous la montrer ou pas, parce que là, il veut me mettre une balle dans la jambe pour commencer. Mais là, sur mon petit doigt de pied, du coup. Au lieu qu'on a presque rien fait du tout, en fait. En fait, on a rien fait, donc... Ouais. D'accord, ok. Oh putain. Prêt? Non. Non, pas moi. Non. Ah, mais il me gaffe trop, ce mec. Non, s'il vous plaît. Je tiens mes deux pieds. En fait, ils sont partis, les autres, c'est ça? Bon, au moins, vous avez fermé votre gueule quand je vous l'ai dit, mais pas vous. Ah... Vous êtes prêts? Vous pouvez me détacher s'il vous plaît, que je parte. Il y a plein de morts dans la ville, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Il est sérieux, t'as flingué? Mais il est sérieux, ouais. Lui? Non, il m'a pas flingué, il t'a tiré. Ouais, il m'a tiré dessus. Ah bah, t'as tiré dessus alors. J'ai vu, il y a écran rouge. Alors ça. J'ai même plus envie de parler avec lui parce que là il me. Je sais pas ce que t'as dit là. Je crois que c'est toi qui a dit Ripou. Mais peut-être que t'as dit. Mais en fait c'est moi qui a dit Ripou. 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 Il t'a flingué. Prochain, c'est dans la gueule. Je rappelle que le serveur va restart et que vous dérangez vos véhicules pour pas les perdre. Et pour finir ce journal, le vendredi 10 janvier, un braquage de banque a eu lieu. Tout s'est bien terminé. Après le brave effort des gendarmes. Voici la vidéo. Bonjour à tous, non, c'est Baby Yo-Yo avec le reporter à mes côtés. Salut, Jérémy salut. De la Tour. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur la police. Alors bonjour, que se passe-t-il ici s'il vous plaît? Alors, je crois que la police tient pas aux otages. On a une prise d'otage apparemment, donc du coup on va envoyer un négociateur, on va régler ça, on vous reparle de la situation plus tard. On va juste parler vite fait sécurité. Je tiens à vous signaler que je retiens PDG de la banque. Pour pas avoir des morts sur la conscience, je vais juste vous demander de vous allonger si vous entendez des tirs, histoire que voilà, il y ait moins de chances que ça vous touche. Mais bon, quand vous entendez des tirs quoi, voilà. Donc D'accord, nous on reste à l'aluminium, N'oubliez pas messieurs, l'essentiel c'est votre sécurité. Pensez toujours à vous sécuriser. Vous exposez pas. Ok, merci d'accord, monsieur. D'accord. Merci. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est une prise d'otage. Il y a GIGN et la police normale, la gendarmerie. GIGN, police et gendarmerie. Combien de temps que je vais faire le tour? Par contre, j'ai une question pour eux.
S'il vous plaît, c'est qui a pris les personnes en otage et qui sont les otages, s'il vous plaît. On le sait pas encore ça, monsieur. Tant qu'on n'a pas envoyé le négociateur, on peut pas savoir à qui on a affaire. Okay. Là, on a eu que des informations, on peut pas, on a aucun nom, on sait pas qui c'est l'otage, on sait rien. Ok, merci. Bon, bah, on va devoir attendre. Je vous en prie. Un petit peu. Donc, nous reprendrons la vidéo quand on aura plus d'informations. À tout de suite. Rebonjour à tous. Nous avons posé quelques questions. Bonjour, vous êtes de la SSTM? Oui, absolument. Et vous venez faire quoi, juste ici, juste simple curiosité? Ah bah, vu que c'est une prise d'otage, là j'ai sorti l'ambulance au cas où il y aurait des blessés, aussi bien que ce soit le malfaiteur, que la police, que l'otage, hein. On ne fait pas de distinction. Là. Ok, d'accord. Merci, c'est une très bonne chose à savoir ça. On voit le négociateur avancer. Tu le vois? Ouais, je vois, je vais essayer de regarder avec les jumelles. Okay, j'espère juste pas me prendre une balle. Voilà, donc on voit l'homme de la police avancer. Je sais pas si on voit des pieds traverser le plancher, d'accord. Alors moi j'ai une très mauvaise vue et j'ai pas pris mes jumelles. On ne voit personne. Apparemment il y a une personne derrière la porte là-bas, vu qu'on voit des pieds. Oui, non, c'est, je pense que c'est le banquier ça, c'est le banquier. Ah oui, c'est peut-être le banquier qui bug. D'accord. Mais je pense que t'as raison, ils sont dedans parce que, vu mon expérience d'otage, enfin, d'habitude, ils prennent soit sur le toit, soit ils sont sur le toit. Ils sont combien à monter? D'accord, il y a le négociateur plus une personne. Du GIGN normalement. D'accord. Et vu qu'il monte plus, il est pas tout en haut, il est un étage en dessous. Oui, normalement, dans les escaliers et. Et voilà quoi, il interviendra quand on lui aura donné l'ordre, normalement. Ok, d'accord. Alors que pensez-vous de cette prise d'otage, monsieur? Ah bah, vous savez, ok, nous, on va essayer de les faire partir. Je pense que les preneurs d'otages ont sans doute leur raison, hein. Ils doivent avoir des gros problèmes financiers, je pense. Et ils ont besoin d'argent. Ah bah, télé. Bon, après, ça se comprend avec la crise actuelle. Après, bon, il y a peut-être d'autres manières de faire, hein. Bon, prendre un otage, c'est surtout mettre en stress toute une famille, merde. Hein, parce que bon, l'otage a une femme, sans doute des enfants, on sait pas après, hein. Tout à fait. Ça vous arrive souvent d'être confronté à ce genre d'événement? Ah, vous savez, nous, on est au service de la population, hein, donc bon, bah, dès qu'il y a une détresse de la population, on s'y rend, donc oui, on est souvent confronté à des détresses. Bon, généralement, on n'est pas trop dans des prises d'otages. Vous pouvez faire quoi? Hein, bon, nous, on évite de s'exposer un maximum, hein, c'est pas notre travail, hein, c'est le travail de la police, hein, nous, on est juste là pour s'il y a des blessés, hein, donc on essaye de faire au mieux, sans se mettre en danger, hein, bien sûr. Vas-y, prenez-le de plus, comme ça sera toujours ça de fait. D'accord, merci. Donc, je sais pas ce qui se passe là, il y a un flic qui a été pris en otage, c'est ça? On peut prendre, je pensais prendre en otage un flic. Oh putain. J'ai cru les voir tout en haut en fait là. Pas tout en haut sur le toit, hein, tout en haut. Ils ont pris en otage le flic. Je sais pas comment cette prise d'otage va se terminer, mais bon. Mais c'est. Ça a aucun sens parce que le flic qui vient de monter, c'est le négociateur. Bah ouais. Enfin, ils sont. Je sais pas, on prend pas le négociateur en otage, c'est. Il est là pour l'aider, justement. Eh ouais, la police a voulu les tuer, bah. Ça a mal fini. Ah là là. Donc là, je vous reprends parce qu'il y a trois personnes qui sont venues parler au flic. Le flic n'a pas voulu les laisser passer. Et je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas. Je les ai vus partir par là-bas. Donc sûrement parti faire le tour. Regardez. Oui. On a trouvé un. Bah, je viens de recevoir des ordres. De toute façon, là, ils ont bouclé les périmètres. Hein, ils vont fouiller tout le monde aux alentours de la banque. Ok, mon ami, tu vas baisser tes armes. Tu vas baisser tes armes. Et merde. Et tu vas nous les donner. Tu vois dans mon sac là. Tu vas mettre ton shotgun. Mets ton shotgun dans mon sac. Et bien on voit les trois hommes sortir là-bas.
Putain, comment on va faire? Ah, ça vous fera un beau reportage. Ah, c'est clair. Ouais, c'est clair. En plus, Joao, cet agent, on le connaissait bien. Ouais. Ah bah. À tout le monde, vous tirez pas sur le négociateur, Chuck Berkowski. On quitte la zone, nous. Vous quittez la zone, là. Ok. Apparemment, les personnes qui ont tué la police sont parties. Ouais, ils sont partis. Il est bien fou ici. Bon. Ouais, c'est dommage. Je suppose qu'il avait une femme et des enfants. Ah, je suppose aussi. Évidemment. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire la chose. Mais c'est pour. Mais. J'ai une petite question là, on voit plus aucun flic nulle part. S'ils font tous les dessoudés, nous serons assez. Dites-moi, monsieur, j'ai une question. Par exemple, moi j'ai une arme dans mon sac. Ouais. Ok. Par exemple, avec ce qui vient de se passer, admettons le policier n'aurait pas tiré ou je sais pas trop. Est-ce que moi j'aurais le droit d'aider le policier? Ah, vous auriez pu. D'accord. Après, okay. On serait là, ton coup, on serait tous les après voilà, hein, c'est vous qui prenez le risque. Hein. Ouais, ouais. Si vous sortez une arme. Les mecs, ça c'est besoin de vous sur zone. D'accord. Ok, merci, c'est bon à savoir. Donc pour toutes les personnes, si vous êtes armé, vous avez le droit d'aider la police si elle est en difficulté. Là, il est d'après ce que je viens de comprendre. Ah bah je vous remercie, mais bon là des fois faut savoir, faut éviter de faire le héros. Hein. Là ils étaient trois, même si ils auraient été armés, moi j'aurais. Ouais c'est sûr. Bon, je vais. Grenade. C'est quoi ce bordel? C'est bien. Hey gars, mets-toi, tu vas te prendre une balle perdue, tu vas voir. Le GIGN est en haut, à ce que je vois. Ouais, je vois le GIGN. Je vois le GIGN au-dessus, là. Ah, un otage de libéré. Ah, le GIGN redescend. Il faudra approcher les otages si on peut tout à l'heure. Essaye de voir leur nom. Bonjour, nous sommes de la presse. Nous voudrons savoir ce qui s'est passé à l'intérieur. Bonjour. S'il vous plaît. Voilà pourquoi je ne veux plus de prise d'otages dans ce bâtiment. La police n'a pas les outils pour faire du bon RP dans ce bâtiment. Et on prend pas des otages dans une banque quand la banque n'est pas braquable. Donc c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure. Ok, voilà, mais on évitera l'avenir. Ça. Ok. Bloquez-vous. Faut pas. Arma, c'est pas Splinter Cell non plus. Hein. C'est pas non plus un jeu qui est censé être spécialisé dans les RP dans les bâtiments. C'est pour ça, essayez de le comprendre ça. Ouais, c'est pas de soucis. Je crois que je me suis mis un peu dans la merde. Vu de où ça. J'ai vu des impacts de balles ici. Ouais. Vous avez pas été blessé, monsieur Guise? Non, otage avoir été très gentil avec moi. Ok. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé à l'intérieur ou des renseignements, s'il vous plaît? Bah, les messieurs ont voulu braquer la banque, mais ils se sont loupés. Donc moi, été sauvé par gendarmerie. Et vous, que faisiez-vous là-bas? Ils m'ont pris devant, moi j'étais parti mettre de l'argent sur mon compte. Ok, d'accord, merci. Alors, il ne parle pas. Vous avez un léger accent, vous venez d'où? Je viens d'Italie. Italie, d'accord. Ça tire encore. Monsieur Corleone, ça doit te dire quelque chose. Je vois pas d'où est-ce que ça peut tirer. À moins que ça soit là-haut. Ouais, je sais pas non plus. Sur un des autres toits. Ok, j'ai un visu. Ok, c'est l'agent de police. Ouais, d'accord. C'est l'agent de police.
Monsieur Corleone, s'il vous plaît, vous étiez combien d'otages à l'intérieur? On était 2 otages. Le deuxième est passé où? Je crois qu'il est encore avec eux. D'accord, donc vous confirmez qu'il reste encore des méchants à l'intérieur? Oui, normalement. Oui, j'en ai vu un de méchant. J'ai vu une personne illicite. D'accord, donc il reste encore un braqueur. Il reste encore un braqueur, c'est exact. Regardez, il est juste là. Merde, il va me flaguer. Oh putain, j'ai eu chaud. Hop. Putain, ça tire. Ça tire ouais, ça tirait sur moi. Oh putain. Ça tire sur nous là. Ça va jouer un gendarme. Enfin, policier, pardon. Je crois qu'il est en train de passer par l'arrière. Si j'ai bien vu, il est en train de passer par l'arrière. Ah ouais, ouais, mais moi je vois rien, moi je suis caché, je suis planqué, gars. Je sors plus. Pour information, il est en train de passer par l'arrière. On les a vus. Ok. Bon allez, vas-y, je vais les suivre. C'est un mix, parce qu'il est avec les polices, mais ils ont des trucs de gendarmerie, enfin bon. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Tu vois, il dit ouais, vous tirez pas les balles. Tu t'es barré où, les gars? Nous allons suivre la gendarmerie. À plat ventre. Gendarmerie, à plat ventre. Ils sont de la gendarmerie aussi. Oh bordel, putain, je flippe. Je sais pas où vous êtes. Moi, en fait, je sais pas où je suis. Salut. Et toi, comme t'es mignon. Eh, hey, mais tu as... Gendarmerie. Et genre d'où vous prenez vos droits, vous pouvez prendre les voix comme ça en pleine prise RP. Il t'a plaqué, c'est le RP de plaquage. J'ai plaqué au sol. Pas de soucis, pas de soucis. J'avais pas capté, désolé. Ah. C'est bon, nous avons réussi à avoir la personne. Ah, bien joué les gars, bien joué, vous avez juste fait tuer les deux otages. Il va te relâcher et menotter, ouais. C'est Ramin. Ah, mais c'est bon, je vais pas me défendre, là, c'est mort. Razette. Ouais, bah j'espère bien. Ramin Razette. Nous avons réussi à l'arrêter. Ouais, franchement, vous avez fait buter les deux otages. Hors RP a pu survivre. Non, mais écoutez-moi. Excusez-moi. Je l'ai dit la dernière fois, le problème de ce bâtiment, c'est qu'on n'est pas sur Splinter Cell Blacklist. On peut pas faire de RP constructible. Arma à la base, c'est un jeu qui est fait pour les grosses plaines, tu vois. Donc on n'a pas les outils adéquats pour ça. Ils essaient de mettre des flashbangs, tout ça, mais c'est pas encore bien. Elles ont pas marché. Elles ont pas marché, les flashbangs, elles ont rien fait. Juste une petite fumée blanche, je suis allé voir. Je vous reprends dès qu'ils ont fini de l'incarcérer pour quelques questions. Ouais, okay. Je suis un méchant. Je vous reprends. Bonjour messieurs, combien y a-t-il eu de morts ou de blessés, s'il vous plaît, de chez vous? C'était journée noire aujourd'hui, on a eu 4 morts. 4 morts, il y a eu des blessés? Pour l'équipe. Pas de blessés, que des morts, mais l'équivalent chez les terroristes et l'otage est décédé. Combien y avait-il de terroristes, s'il vous plaît? C'était un petit peu confus. Ah, je sais pas. Il y avait 3 terroristes à l'intérieur et il y avait 3 autres terroristes qui tournaient autour, qui ont descendu un des policiers. Ok, je vous remercie. Puis merci à vous. Pas de soucis, je vous en prie, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Après, salut. C'était A3 Live TV avec Baby Yo-Yo et le reporter Jérémy Delatour. Nous vous remercions d'avoir suivi ce journal. À la prochaine fois. Bonne continuation, tout le monde. Salut.